Bonjour les amis, je vais vous présenter une ultra clean. Ça c'est pour nettoyer, une petite machine pour nettoyer les lunettes. Très intéressant. Je vais vous le déballer. Voilà. C'est pour nettoyer les lunettes. Oh, il n'y a pas que les lunettes, hein, vos bijoux, vos dentiers. Voilà, c'est une belle petite machine. Celui-là, je l'ai payé. Je crois que c'est 39 euros que j'avais payé. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pour nettoyer les lunettes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je vais verser. Il y a le maximum ici. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, et vous mettez les lunettes. Vous mettez les lunettes. Voilà. Vous mettez la boîte ici, sa couvercle. J'appuie juste le bouton ici. Et ça nettoie. C'est 5 minutes. Je vais vous dire qu'est-ce qui nettoie. Nettoyeur ultrason pour nettoyer des objets comme des lunettes, les montures de lunettes, les bijoux, les pierres précieuses, les bagues, les pendentifs, les montres. Mais les montres qui vont dans l'eau, attention, pas les montres connectées. Hein. Les montres étanches, hein, ceux qui vont dans l'eau. Hein, ceux qui vont dans l'eau. Les particules sales sont décollées par les ondes ultrasons dans les liquides à base d'eau. Je vais mettre un tout petit peu, une goutte de savon. La personne que j'ai acheté m'a dit que je peux mettre une goutte de savon. Il y a des liquides que ça se vend dans le magasin, mais m'a dit savon pour les mains, c'est bon. Juste une goutte. C'est suffisant. Voilà, une goutte et ça va nettoyer. C'est une machine très intéressante pour nettoyer les bijoux, les lunettes, les montures. Vous voyez comme c'est sale ici à l'intérieur. Ici, vous voyez, ici, c'est sale. C'est sale, ça va tout nettoyer. Exemple, les objets qui peuvent être nettoyés, les lunettes, les montures. Éviter les contacts directs avec les montures. Et encore, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Nettoyage aussi, les lentilles de contact. Durée souple, et aussi, vous pouvez mettre aussi les lentilles de contact. Des bijoux en or, en argent, pierres précieuses, émeraudes et perles. Je vois ici les stylos, feutres, cartouches d'encre et accessoires. J'ai jamais... Prothèses dentaires aussi pour les personnes qui sont âgées, qui ont des dentiers. Prothèses dentaires.
Aussi les têtes de rasage, le rasage, aussi les têtes de rasage. Et les petites, toutes les petites pièces mécaniques à nettoyer. Vous laissez 5 minutes. Attention, hein, ne pas mettre les doigts hein, quand c'est allumé. Ne pas mettre les doigts. Hein. Attention, c'est très très dangereux. Hein. Laissez comme ça 5 minutes. 5 minutes. Vous laissez comme ça. Voilà, c'est presque terminé. Voilà. Ça peut tout nettoyer. Avec l'ultrason, ça nettoie. Voilà. Il va s'éteindre. Il s'éteint automatiquement, mais vu que je l'ai fait deux fois, je l'éteins. Attention, débranchez la prise. Toujours, toujours débrancher la prise. Question de sécurité. Vous prenez, vous ouvrez. Prendre un petit mouchoir, je vais chercher. Voilà. Vous mettez juste une goutte de savon. Attention, une goutte. Hein. Une goutte de savon pour les mains. Une goutte, pas plus. Hein. Maintenant, vous allez voir comment c'est propre. Hein. Vous voyez, ça brille. C'est le top des tops. Je vais remettre ça ici. C'est surtout ici que ça encrasse. Attention, hein. C'est toujours ici. Il y a toujours des crasses ici. Mais, comme je l'ai acheté nouveau, je l'ai bien lavé. Regardez, franchement, c'est top. Hein. Voilà, les amis. C'est juste un petit tuto pour cet achat pour nettoyer les lunettes, les bijoux. Tout ce que vous voulez. Les dentiers pour les dents, pour les personnes âgées. Tout ce que vous désirez laver. De l'or, des bijoux en or, en argent. Voilà les amis. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. C'est un petit tuto. C'est super ce petit truc ici. Machine pour laver les lunettes et les bijoux. Au revoir.